parc, nous avons 10 genres de phasianidés. De la poule au faisan, en passant par le paon qui se promène dans l'ensemble du parc. Les faisans sont originaires d'Asie pour l'ensemble des genres et des espèces. Ici, sur le territoire national, à l'état sauvage, on peut retrouver le faisan de Colchid, celui qu'on trouve communément dans les champs, les forêts de la région. La plupart des phasianidés sont sédentaires, ils vivent essentiellement au sol. En général, ils sont composés de couples, donc d'un mâle, d'une femelle. Certains genres de faisans sont polygames, c'est-à-dire un mâle et plusieurs femelles qui peuvent aller de 4, 5, 6 femelles par mâle. Comme par exemple le faisan de Colchid qu'on a chez nous, en général, il y a le mâle et puis tout son petit harem derrière lui. À la saison des amours, les mâles sont munis d'un plumage très coloré, de façon à permettre de séduire les femelles en paradant. Les femelles, contrairement, sont beaucoup plus ternes. Alors le fait d'avoir un plumage terne, tout simplement parce que les femelles couvent au sol. Donc les couleurs, ce sont des couleurs naturelles, hein. Bon, on a du brun, beige, marron, ce qui permet à la poule, quand elle est couchée à même le sol, d'être camouflée pour éviter tout type de prédation. Les jeunes faisans à la naissance sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils sont capables de quitter le nid une fois leur petit duvet bien sec, de pouvoir quitter le nid et suivre leurs parents dans leurs nouvelles aventures. Le régime alimentaire des phasianidés sont essentiellement herbivores et granivores. Ils peuvent aussi consommer des invertébrés, vers de terre, quelques insectes. L'espérance de vie, un faisan, ça vit entre 5 et 8 ans de moyenne. Ce matin, on reçoit l'Office de tourisme pour un petit déjeuner privilégié au Parc des Cities avec certains habitants de l'agglomération. Les personnes auront un petit déjeuner préparé par l'Office de tourisme et après une visite du parc et de ses coulisses avec le directeur du parc. Les enfants vont pouvoir jouer aux apprentis soigneurs à découper les fruits et les légumes pour les donner à certains animaux du parc. Ce matin, on est aux Cities et on donne à manger aux animaux des Cities. Donc c'est le petit déjeuner, on est privilégié, on a le parc pour nous tout seul et on vient dans les enclos, on a coupé les carottes, les poires, les pommes et puis on vient nourrir les lapins, les chèvres, les ânesses. Le principe de ce partenariat entre l'Office de tourisme et le parc des Cities, c'est justement d'offrir aux familles qui sont de l'agglo ou pas et qui sont habituellement fidèles des Cities, un moment privilégié quand le parc est fermé pour avoir approcher d'un peu plus près les animaux et puis partager avec eux le moment préféré de tout le monde, enfants comme animaux, le petit déjeuner. Ça, tu peux le mettre en seau. Derrière toi, voilà, tout à fait. Juste derrière toi. Et tu plonges dedans. Tu remplis complètement la boîte. Comme pour Hermione quand on lui donne des croquettes. Voilà, pareil. Comme qui ? Mon chien. D'accord. C'est bon. Eh ben voilà, donc toi t'es responsable de ça. Tu le gardes. C'est toujours pareil, bien à plat votre main. Ok. Mais c'est bien, t'as pas peur ma chérie, c'est bien. Ça fait des pattes de chat. Ah bah ouais. Merci. Tu réponds pour toi ? Oh non ! Il a...
Pic est un animal plutôt tranquille, il n'est pas agressif, mais ses pics lui servent surtout pour moyen de défense. On n'est pas encore trop en récrac.